Mes chers amis, bonsoir. Bienvenue dans mon live. Que vous soyez gilet jaune ou pas, et il est temps de devenir gilet jaune, de prendre le train qui est en marche depuis un certain moment. Bonsoir, mes amis. Euh, donc, je vais faire un live court parce que, comme vous savez, suite à tous mes périples, je suis toujours épuisé. Donc, le sevrage, le sevrage médicamenteux des psychotropes qui m'ont mis euh, n'est pas facile et, euh, et ensuite je m'occuperai du sevrage tabagique les deux en même temps euh, ça me semble impossible impossible pour pour ma carapace d'être humain euh, alors c'était une belle journée gilet jaune c'est encore une réussite ce qui confirme ce qui me, 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 me laisse craindre ce que j'ai annoncé hier ma prédiction donc vous avez vu ma prédiction il n'y a pas eu d'attentat d'événement majeur aujourd'hui et je vous avais dit que normalement ce serait prévu si on suit de la logique de l'expérience par rapport à ce qu'ils font par le passé leur méthodologie eh bien, euh, ils ont observé aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une réussite. Et donc, euh, ils vont anticiper pour la semaine prochaine. Et il y aura... Alors, quand je dis attentat, ça peut être autre chose. Hein. On... Ils nous ont tout fait. Et on sait qu'il y a une maîtrise des événements euh, météorologiques, euh, du climat, on le sait. Donc, on... il faut s'attendre à tout. Euh... Pour en parler de manière générale, je vais dire un événement euh, spectaculaire. Alors, ça peut être un attentat, ça peut être, euh, ça peut être, euh, le, 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 ça peut être tout. Hein. Ils ont tout fait, ils ont explosé des boulangeries, ils ont brûlé des chalets. Euh, voilà, un événement euh, spectaculaire pour demain. Et si ce n'est pas demain, de toute façon, ils savent qu'il leur faudra quelque chose. Pour le samedi prochain, pour le samedi suivant. Et, euh, et voilà, eux-mêmes le disent que ça s'est. Il euh, n'y a pas eu. Ils ne savent plus comment salir les Gilets jaunes parce qu'ils sont obligés d'avouer que euh, ça s'était bien passé et bien entendu, ils s'accordent le, le bénéfice. Avec leur pseudo-invention de brigade anti-casseurs, c'est enfantin. C'est enfantin. D'ailleurs, je voulais vous dire un mot euh, là-dessus. Bon, bah ben là, on apprend que un, un policier était en arrêt cardiaque et que euh, il a eu un massage cardiaque donc par les pompiers, etc. Nous ne savons pas pour quelle raison. Et euh, alors par rapport aux chiffres. Donc, le ministère de l'Intérieur comptabilise, le ministère du Mensonge comptabilise 40 500 manifestants dans toute la France, dont 5 000 à Paris. Je vous rappelle que depuis le début, que je, je soutiens et que je suis les Gilets jaunes, pour trouver un chiffre exact, il faut le multiplier par 10. Donc là, euh, moi je vous dis, c'est 400 000 où nous avons été, vous avez été. 400 000 aujourd'hui, ce qui est un peu au-dessus de la moyenne, ce qui est une réussite totale. Et euh, alors il y avait le compteur, il y a un compteur gilet jaune qui a été mis en place. Euh, alors lui, il donne... Où est-ce que j'ai mis ça Le compteur gilet jaune, où est-ce que je l'ai mis Donc, si mes souvenirs sont bons, aux alentours de 140 000 personnes, 140 000 gilets jaunes. Alors, donc voilà, moi, mon chiffre à moi, mes chers amis, depuis le début, ça a toujours été ça on multiplie le, le chiffre du ministère du mensonge par 10. Donc je vous le dis, euh, il faut compter euh, au moins 400 000 personnes, ce qui, est, ce qui est génial, ce qui est parfait. 400 000 Gaulois. Aujourd'hui, c'est génial. Donc ce qui confirme que euh, ils vont être très très déçus et de voir que toutes leurs manipulations pour nous terroriser n'ont pas fonctionné ce qui les oblige à justement à donner le feu vert au prochain événement spectaculaire qu'ils qu'ils ont mis qu'ils ont mis en, en sommeil en préparation voilà ça et euh, alors j'aimerais vous dire un mot sur les images qui sont diffusées donc dans les médias. Vous avez bien vu que, tiens là, Castaner dit l'ordre a été maintenu. Bon ben voilà, s'ils si, euh, sont contents, c'est que normalement ils devraient nous reprocher rien du tout. Voilà. voilà. Toujours on essaye de vous mettre le RIC devant les yeux, les petits drapeaux qui vont bien. Donc là on, je les prends en direct, vous voyez j'ai pas besoin de je n'ai plus besoin d'aller chercher des vidéos, de faire des analyses. C'est trop facile, vous, vous allumez la télé en direct, vous vous voyez la manipulation. Donc euh, ce que je voulais vous dire c'est que euh, vous le voyez à chaque fois, euh, pour eux la France c'est un endroit. Alors on a eu beaucoup les Champs-Élysées. Ils ont cassé et reconstruit euh, les vitrines, les façades, le Fouquet plusieurs fois. Euh, nous avons eu Bastille juste pour la petite orchestration euh, Jérôme Rodrigue. D'ailleurs, je vous montre les dernières les Dernières preuves en date à mettre avec les preuves hein, que je vous ai déjà euh, démontré plein de fois. Il n'y a qu'à vous revenir encore sur ma vidéo qui me vaut euh, le fait qu'aujourd'hui beaucoup d'entre vous me connaissent pour alors en deux, entre autres incohérences. Comment ça se fait que d'un coup, comme ça en en une fraction de seconde, dans le camion des pompiers, euh, Jérôme Rodrigue se retrouve les deux yeux bandés, ce qui n'a aucune logique. On ne va pas mettre un homme aveugle et le prendre en photo. Euh, et aussi, euh, donc euh, surtout, le fait que je vous ai démontré en mettant côte à côte que il y a au moins deux hommes, deux Rodrigues. Euh, je les avais pris de profil et au niveau de la patte et de la joue ce n'est pas du tout la même personne et donc là grâce à euh, mes amis bénévoles euh, avec lesquels donc j'ai mis en place une euh, collaboration de recherche et de, et de travail on a trouvé encore une autre preuve et aussi l'explication aux fameuses lunettes vous avez remarqué que Jérôme Rodrigue affectionne par moment des lunettes sombres, par moment des lunettes transparentes. Et, et voilà l'explication, en fait, elle est simple. Alors je vais vous mettre ça. Donc l'image que j'ai mis sur mon profil je vous mets à l'instant on va regarder ensemble Hop. donc euh, voilà l'utilité des lunettes c'est que les lunettes ça permet ça permet de masquer les sourcils d'accord ça permet aussi de un peu masquer les poches sous les yeux d'accord et ça fait en, en gros ça fait euh, euh, diversion aussi sur les joues vous regardez pas forcément ces endroits là euh, pourquoi parce que il y a une différence d'âge entre au moins deux euh, jérôme Rodrigues. Donc là, avec lunettes, vous voyez bien, là on a une personne, on va dire, assez jeune. Vous voyez, il n'y a pas de ride. Regardez bien ici, il n'y a pas de ride. Regardez bien, il n'y a pas de poche sous les yeux. Regardez le front. Voilà, là c'est le même Rodrigue version jeune. Regardez comment il a la peau douce, la peau d'un bébé. Il n'a pas de poche sous les yeux. Et regardez sa chevelure et donc là on a jérôme rodrigue version euh, j'ai pris euh, 20 ans de plus regardez c'est pas du tout le même visage regardez ici sur les côtés comment c'est bien marqué les rides voyez regardez la la poche sous les yeux d'accord regardez bon bah ben là il france un peu mais voilà et on, on, il a des, des sourcils bien épais ici on voit que malgré qu'il qu y a les lunettes on voit que c'est on n'a pas des sourcils très épais alors autre chose c'est cette histoire de à chaque fois je mets un couvre-chef vous voyez bien si c'est pas une casquette c'est le fameux chapeau et puis de l'autre côté je mets pas de couvre-chef alors des fois ça s'inverse. Hein. Voilà. Bah, J'attends avec impatience le jour où Jérôme Rodrigue enlève, enlève tout. Les lunettes, euh, la barbe, la casquette, le chapeau. Donc euh, voilà. Hop, on va avancer. Maintenant, euh, je voulais vous dire un mot. Donc, je vous ai dit, c'était place de la Bastille, et puis, euh, puis plusieurs fois, et aujourd'hui, euh, il a été décidé que la France était place de la République pour les Merdias. Et donc, euh, on a vu toute la journée des images d'absolument rien du tout de l'orchestration. On peut très bien voir les barrières. Donc là, ça continue. Tiens, on va mettre au hasard. On va mettre lci On va regarder si on voit pas tout ce que je vous dis. Donc bon, on a euh, donc, c'est comme d'habitude, on a des forces de l'ordre qui tournent. Vous voyez bien là, il se passe rien. Et voilà, les, les barrières, c'est tout ce que vous voyez couché. Ils ont fermé la place comme ils font d'habitude pour faire leurs petites orchestrations. Et on voit donc des forces de l'ordre avancer sur des photographes. Ils sont tous ensemble. Et, euh, et on voit... Alors j'aimerais attirer votre attention sur, sur l'état à chaque fois des, des caméras. Regardez... Euh, et à quoi ça vous fait penser d'avoir une caméra qui est tout le temps en train de trembler, de bouger, regardez, enfin, regardez comment il tremble. Euh, je donne des coups à droite, à gauche, des coups à droite, à gauche. Enfin, je vais dire, là, il ne se passe rien. Pourquoi il ne sort pas un trépied et qu'il nous fournisse une image fixe ou même qui se calme un peu. On a l'impression qu'il est très nerveux à chaque fois. Mais euh, vous allez voir que c'est pas uniquement sur LCI. Tous les caméramans. De, de tous les médias euh, français euh, sont toujours, euh, on va dire, extrêmement nerveux. Voilà, c'est le terme. Il y a une nervosité tout le temps. Regardez, là on est sur ces news. Ah, ah, je, je, je tourne par là et, euh, et je renverse là. La... La caméra, l'objectif, et voilà, et, et ça bouge. Et, alors voilà, à quoi ça vous fait penser ça Je zoome, je dézoome, je tourne à droite, à gauche. Regardez, ils sont vraiment. Euh, ils ont la bougeotte. Regardez, la caméra, comment elle bouge dans tous les sens. Alors vous avez filmé, j'ai filmé, on peut vraiment fournir des images euh, beaucoup plus stables que là. Regardez, il n'a pas besoin de bouger dans tous les sens, mais il bouge. Pourquoi hein, je, il donne des coups comme ça à droite gauche droite gauche je bouge je bouge je tremble et là c'est du direct hein, donc euh, je, comme vous je suis en train de visionner et commenter du direct euh, c'est pas comme si j'ai pris des vidéos euh, que j'ai déjà regardées que c'est trop facile euh, je commente déjà ce que j'ai vu là je regarde comme vous le direct regardez comment il a la bougeotte, regardez regardez là il, il se passe euh, je vais dire il est en train de fixer ici et il est... Regardez, c'est incroyable. Bon, ben merci de me donner raison parce que là, ils sont en direct, je suis en direct. Là, il pourrait se calmer un peu. Je veux dire, s'il veut filmer euh, la statue, euh, qu'il se calme, qu'il la filme. Alors, à quoi ça vous fait penser ben, Je vais vous dire euh, tout simplement. C'est euh, de faire ça. Ça fait un peu penser aux séries américaines, euh, 24 heures, enfin plein de séries. De faire ça, on, on donne l'illusion que c'est euh, important, que c'est grave et surtout qu'il va se passer quelque chose. Et du coup, c'est captivant. Et vous pouvez passer toute la journée devant comme ça, euh, à vous attendre, à vous dire ça va arriver, il va y avoir quelque chose. C'est vraiment l'endroit le plus important de France aujourd'hui. Et ils ne font pas ça uniquement là. Euh, aussi euh, lorsqu'il y a des, des événements euh, nationaux, des fêtes nationales où il y a donc des, euh, des personnalités, particulièrement le président euh, là pour le coup Macron, et euh, eh bien comme la dernière fois il y avait un événement majeur, c'était les 100 ans de l'armistice, et eh bien c'était pareil, euh, il y avait le, vous avez la voiture du chef de l'État qui arrive, il n'y a absolument aucun manifestant, il y a juste euh, un ou plusieurs caméramans, et en plus il, il passe la journée à l'attendre, à trembler dans tous les sens. Je vais dire il se passe rien. Au lieu de se fixer, fixer sa caméra sur un trépied et de filmer euh, Macron descendre de sa voiture, s'ils ont ju jugé que c'était intéressant. Eh bien, euh, il bouge dans tous les sens, comme si, euh, euh, comme si c'était des images volées, ou comme si le Macron qui descend de sa bagnole ou qui arrive sur les lieux était un événement euh, d'une importance euh, majeure, et que il euh, y a, euh, voilà, comme je vous ai dit. Euh, ça donne un, un effet euh, ça donne un effet danger, ça donne un effet captivant, ça donne un effet sur le vif, et même ça, ça donne l'illusion que c'est euh, des images volées, c'est des images secrètes, c'est des images des images, on dirait une caméra cachée. Euh, voilà, je vous attire vraiment votre attention euh, sur à chaque fois l'usage des, des, des caméras qui tremblent comme ça. Voilà, je voulais, ça c'était important, je voulais vraiment développer là-dessus et je les remercie. Euh, ils sont en train de me donner raison. Là pareil, moi je peux avancer au rythme où ils avancent, mais sans gigoter comme ça dans tous les sens. D'accord Donc euh, j'ai remarqué aussi donc, ils se sont débrouillés pour cette place de la République. Pour, euh, enfin, euh, mettre des euh, des pseudo manifestants il y avait même des jeunes qui jouaient à, à, au ballon enfin et euh, avec un minimum de gilets jaunes même j'ai beau regarder tout à l'heure ils m'ont dégoûté parce qu'ils se sont débrouillés pour euh, pour mettre aucun gilet jaune bon ça c'est pareil c'est du subliminal d'accord c'est du subliminal euh, c'est pour vous faire croire qu'effectivement euh, voilà vous pouvez manifester sans gilet jaune et que c'est pas si important que ça regardez on n'en voit pas tellement donc ça c'est de la manipulation, c'est du subliminal les amis. Et j'adore, j'adore parce que comme je vous ai dit, euh, l'intelligence artificielle et le système s'adaptent en temps réel en plus à tout ce qu'on tout ce qu'on dit. Donc vous pouvez vous pouvez risquer de voir là dans les, dans les heures, dans les jours qui viennent, pour la première fois, des images fixes sur les lieux. Il s'adapte en permanence pour après donner tort en disant, vous voyez là, regardez, c'est comme le jeu qu'il y a eu euh, euh, avec Rodrigue. Il met ses lunettes euh, pour la poussière, il met ses lunettes euh, pour... Euh, J'ai entendu toutes les raisons pour la buée, euh, et puis on développe là-dessus, et puis hop, on, on nous sort un hein, Jérôme Rodrigue sans, sans lunettes. Puis après euh, chapeau pas chapeau etc ils font en fonction de ce, de ce ils prennent le pouls des, des, des questionnements et ils fabriquent en fonction euh, des, des, des on va dire des, des ils fabriquent leur propre leur propres réponse et leurs propres preuves euh, donc là j'attends des images encore de, de la place là on a encore castaner qui parle voilà, qui dit l'ordre a été maintenu, bon bah super, ici si sont contents eh bien ça veut dire qu'ils vont nous foutre la paix, qu'ils vont pas nous salir, mais en revanche ça veut dire que euh, ce que j'avais dit euh, va se réaliser, à savoir qu'aujourd'hui ça va être super, il se passera rien, en revanche il leur faut quelque chose de la matière pour samedi prochain, là ils ont joué... La terreur toute la semaine pour ce samedi. Euh, le, y a, enfin, chaque semaine, il y a eu quelque chose. Il y a eu la semaine de l'antisémitisme, la, euh, la semaine de l'attentat de Strasbourg, la semaine de l'explosion, enfin, le samedi de cette explosion euh, de la boulangerie, euh, la semaine de, du chalet qui brûle. Il y a eu. Euh, il leur faut tout le temps hein, fabriquer de l'actualité pour ne pas parler de nous, pour ne pas parler euh, des vrais gilets jaunes, de ne pas parler de, 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 des, de nous, les Gaulois. Et je vous rappelle que je suis Gaulois et vous pouvez être Gaulois si vous devenez euh, créateur vous-même, c'est-à-dire que vous, vous, vous prenez votre courage à deux mains, vous mettez... Votre gilet jaune pour entraîner, entraîner les autres, y compris lorsque vous tombez dans des endroits où vous, vous serez seul à le porter. C'est ça le, le, le courage, les amis. C'est porter ses convictions jusqu'au bout. Donc, je vous rappelle ce que je vous incite à faire, ce que je vous ai demandé, c'est que, en continu, la, la la flamme gilet jaune désormais. Toute la semaine, à tra au travers de, euh, de l'idée que je vous ai donnée hier, c'est-à-dire, on se débrouille pour toujours avoir un gilet jaune plié dans la poche de son manteau, dans, dans, son, dans son sac à main, dans sa, dans sa sacoche, dans son cartable, dans son sac à dos, euh, pour, dans sa poche s'il le faut, hein, si vous, vous pliez bien. Et à 13h, à 13h pétante tous les jours, mettez votre réveil, comme ça il sonne tous les jours à 13h, à 13h pétante tous les jours, tous les jours sans exception, y compris le samedi. Bon voilà, c'est bien, vous l'aurez déjà sur le dos, le gilet jaune. Eh bien, peu importe où vous serez, si vous êtes en train de manger euh, dans, un, dans un grec, si vous êtes en train... De manger dans une cantine d'entreprise, si vous êtes en train de prendre votre pause, si vous êtes en train de travailler, et si vous êtes en train dehors de fumer votre cigarette, si vous êtes en train de vous balader tout simplement, si vous faites la queue à une, admi une administration, ça ce serait magnifique, ça, ça ce serait magnifique de leur mettre ça en pleine. Euh, dans une instit institution euh, républicaine. Euh, peu importe l'endroit où vous serez les amis, si vous êtes dans le métro ou dans le bus, et eh bien à 13h pétante, vous sortez votre gilet jaune, vous le mettez une minute. Voilà. Et si tout le monde le fait, vous allez voir que ça aura un effet entraînant et euh, ça, ça contaminera, je vais dire, dans le bon sens. Euh, et ça mécaniquement euh, les rangs grossiront encore et encore euh, pour les samedis nous verrons à ce moment-là euh, les chiffres exploser pour le samedi à partir du moment où vous aurez contaminé des personnes qui n'osaient pas trop n'osaient pas trop qui regardaient qui croyaient la télé qui regardaient toujours les orchestrations sur les champs les orchestrations, Place de la République, les Champs-Élysées, Place de la République, et, euh, et qui se disaient, euh, je n'ai pas envie d'être là-dedans, euh, au, au milieu des lacrymaux, de la casse, etc., et bien, vous leur donnerez un effet d'entraînement, vous les encouragerez, vous serez, vous serez créateur, et c'est important, c'est important que vous participiez dans cette vie, dans cette matrice. À, euh, à être les, un créateur des, des corrections. Des corrections, vous devez, vous avez le devoir. Et de toute façon, il s'agit de votre propre spiritualité, de votre propre expérience dans cette vie, si vous voulez accéder au niveau 2. Et il euh, y, y a beaucoup de choses dans la vie, mes chers amis, euh, dont je ne suis pas certain, beaucoup de choses que je ne connais pas. Et il y a aussi pas mal de choses dont je suis absolument certain, euh, pas forcément euh, en, en vous donnant la, la preuve immédiatement aujourd'hui matérielle sous les yeux. Alors je n'ai cessé de vous faire des démonstrations cartésiennes par A plus B avec preuve à l'appui pour acquérir assez euh, votre confiance afin de pouvoir vous dire euh, au travers de discussions spirituelles comme hier, et de ce que je vais vous dire là euh, sans euh, forcément vous donner cette preuve matérielle je je, je joue juste sur la confiance que j'ai acquis auprès de vous pour vous dire pour vous dire que d'après mes recherches après avoir tout euh, remis en cause tout remis en question tout euh, tout explorer je veux dire euh, au niveau donc de du spirituel du religieux de même au-delà euh, de certaines facettes de l'ésotérisme je peux vous assurer que euh, ça ne s'arrête pas là que la vie que nous connaissons euh, ne s'arrête pas là qu'il y a il y a une étape 2 il y a un autre niveau, mais qu'en revanche il faut euh, réussir, euh, il faut réussir l'examen ici pour pouvoir bénéficier de l'autre niveau. Et si jamais, si jamais nous réussissons euh, de manière collective, collective l'examen, euh, c'est-à-dire euh, corriger tout, ce qui mm, théoriquement, encore une fois, la matrice. N'accepte pas euh, que ce soit totalement noir ou totalement blanc, totalement le bien ou totalement le mal. Il faut toujours une coexistence des deux. Le chiffre 2, je vous en ai parlé hier l'homme et la femme, le soleil et la lune, la chaleur et le froid. Et vous avez tout le temps des dualités et en même temps des dualités euh, opposées. Hein, C'est euh, le jeu de la vie. Comment. Euh, s'entendre avec son opposé euh, justement pour réussir l'expérience. Comment euh, vous avez, après la vie, vous, vous apprend que vous ne pouvez pas euh, vivre sans l'opposé. Cette dualité est permanente. Il faut faire avec et euh, il, on ne peut pas s'en séparer. Et là, ça vaut encore une fois pour tout. Euh, on peut pas vivre en permanence dans le chaud. On peut pas vivre en permanence dans le froid. Il faut avoir les deux. Et bon, ben, l'idéal c'est une combinaison des deux pour avoir du tempéré. Si on est dans, uniquement euh, dans le chaud, on brûle. Et si on est uniquement dans le froid, on gèle. Et par extension, vous tout est équilibré. Euh, et donc, euh, alors, je suis parti. Je ne sais plus d'où je suis parti, mais c'est ça qui est bien hein, de lancer des discussions comme ça, de rien préparer et de voir où est-ce qu est que ça peut nous mener. Alors oui, je vois maintenant euh, ce que je vous avais, euh, ce que je vous avais préparé. Euh, pour, pour chute voilà et bien euh, je suis absolument certain qu'il y aura si je vous ai pas dit déjà qu'il y aura donc une étape 2 magnifique parce que euh, il est très fort probable et même je répète j'en suis certain que l'étape 2 nous affranchira de ce, de ce handicap, ce corps qui est, euh, qui est régi par plusieurs contraintes infranchissables, des lois que qu'il est impossible de, de franchir en état de conscience. Je vous en ai, je vous ai parlé de quelques-unes hier, vous les connaissez, c'est euh, la plupart de nos instincts, euh, pas les instincts dans le sens intuition, mais... L'instinct de survie, euh, l'instinct de la peur, l'instinct de l'ego qui est euh, le, 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 on va dire le, le handicap, j'ai envie de dire, principal, l'instinct de la jalousie, il y en a beaucoup hein, qui, euh, qui, qui compliquent donc l'examen et qu'il nous faut, qu'il vous faut, Arriver à, à maîtriser un maximum, à dominer un maximum, bien sûr, sans jamais pouvoir l'annuler. Et quand je dis euh, en, en, en état de conscience, je veux par là exclure les états sous drogue et les états de sommeil, euh, parce que là, effectivement, vous, vous devenez complètement désinhibé, vous faites disparaître beaucoup de freins ou beaucoup de freins. Vous pouvez même devenir suicidaire alors que, encore une fois, nous sommes euh, en temps normal protégés par l'instinct de survie. Euh, donc il est important que vous deveniez créateur si vous voulez non seulement qu'on réussisse tous l'expérience, parce que la place, euh, la place ne sera pas pour tout le monde, ceux qui auront fait le choix. Donc, de, de la contre-spiritualité de, 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 de ce corps, ceux qui auront fait le choix de, de bénéficier à fond de ce corps, il est évident qu'ils n'auront pas le bénéfice de l'étape suivante où il est, on pourra s'affranchir de ce corps. Et puis là, on sera dans ce qu'on peut parler en termes en termes mathématiques ou en termes de, de matrice et là on, on peut imaginer quelque chose qui s'apparente à, à de la 5D Alors, vous savez que là nous vivons tous dans un nous sommes en, nous sommes et ce que nous voyons ce que nous percevons la matière tout est en trois dimensions c'est du tridimensionnel euh, le, 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 le deux, la deux, les deux dimensions, si on était dans. Pour ceux qui, qui ne qui connaissent pas le concept, qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo, euh, la 2D, deux dimensions, c'est ça, c'est une feuille de papier. C'est-à-dire euh, que vous ne pouvez pas en sortir, ça reste complètement plat. Il a trois dimensions, regardez, là, nous, on n'est pas plat on a une dimension supplémentaire c'est la hauteur euh, longueur largeur hauteur ça fait 3 et eh bien euh, la 5D c'est génial c'est un peu je vais choquer les plus croyants d'entre vous mais euh, c'est un peu euh, devenir devenir un dieu c'est être ici et partout à la fois c'est génial euh, donc euh, voilà franchement ça vaut le coup euh, là j'en appelle aux petits francs-maçons ceux qui sont entrés par curiosité ou par appât du gain euh, il n'est pas trop tard repentissez vous euh, voilà vous pouvez encore euh, réussir votre expérience et pour les autres donc je vous appelle à devenir créateur et à travers euh, le fait de corriger les bugs dans la matrice que d'autres vont en permanence, euh, enfin pas créer mais euh, provoquer, voilà, provoquer. Vous avez en permanence des personnes malveillantes donc qui provoquent des, provoquent des bugs euh, tout simplement. Les délinquants, les criminels, les corrompus, les sans foi ni loi, les sans scrupules, provoquent en permanence des bugs parce que, bien entendu, ils peuvent en tirer profit, parce que ça rapporte matériellement, ça rapporte dans le sens où euh, ça vous donne une avance malsaine sur quelqu'un qui va être honnête, sur quelqu'un qui va être, euh, euh, on va dire, intègre ça vous donne de l'avance vous lui faites à l'envers et, euh, et vous voilà ce serait bien que vous fassiez partie que vous deveniez euh, créateur des réparations donc euh, de ces bugs dans la matrice euh, nous sommes tous euh, capables et même sans le savoir tous les jours nous agissons tous chacun et chacune individuellement et tous donc collectivement sur la matrice. La matrice, nous la, euh, nous l'orientons, notre histoire, nous l'orientons en permanence. Elle change chaque, chaque, chaque seconde en fonction des millions, des milliards de libres arbitres. Alors, le problème aujourd'hui, c'est qu'à travers, avec l'intelligence artificielle, eux, ils nous coincent dans un tunnel où ils ne nous laissent plus beaucoup de marge de manœuvre. Euh, notre libre-arbitre, dans bien des cas, ne sert pas à grand-chose. C'est par exemple le vote, euh, aller voter à une, à une élection à la présidentielle. Eh bien, vous pouvez faire jouer votre libre-arbitre entre les douze choix. Euh, les douze choix donneront le même résultat. C'est pourquoi... Euh, c'est pourquoi ça devient dangereux parce que ils nous canalisent ils font l'intelligence artificielle arrive à faire de la prédiction à partir du moment où elle fabrique les problèmes et l'actualité et, et donc elle peut prédire euh, de là où elle va nous emmener imaginez que on fabrique par exemple un attentat euh, et bien il est aisé de comprendre que cela va provoquer de la panique de la peur et donc euh, euh, si euh, le lundi on se dit que euh, le jeudi euh, à tel ou tel endroit toutes les personnes seront terrorisées, il suffit de programmer euh, et de commanditer un événement majeur à cet endroit, un, un attentat par exemple, euh, ce même jour. Et donc vous pouvez parler à partir de lundi en disant ce jour-ci, telle heure. Euh, il y aura un effet panique à cet endroit et, et en tirer profit bien entendu parce que enfin, c'est un peu comme les couvertures d'économistes vous pouvez euh, jouer euh, jouer à Nostradamus jouer au médium et avoir toujours raison à partir du moment où euh, ce futur vous le fabriquez avec la corruption, l'argent le pouvoir c'est assez, euh, assez aisé à comprendre, vous savez, une fois que vous commencez à vous pencher dessus. Alors, tout seul, c'est vrai qu'ils font tout pour qu'on se réveille jamais, et pour qu'on ne s'élève jamais spirituellement, et pour qu'on ne réussisse jamais cette expérience, qu'on reste tout le temps enfermé dans la 3D, euh, avec l'école, avec les, les merdias, avec la désinformation. Euh, tout est fait pour qu'on ne, qu ne, ne se rende jamais compte de la, de la réalité, de la vérité. Et, et même c'est euh, extrêmement pervers, c'est extrêmement bien orchestré donc, euh, par le système aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, avec l'appui de l'intelligence artificielle, pour inverser tout le temps les, les vérités, inverser les choses pour effectivement que ça devienne complètement illisible et pour vous perdre un maximum. Toutes les valeurs s'inversent. Enfin, pour comprendre, le plus aisé c'est de prendre les, les c'est de renverser ce qu'on vous dit. Là où on vous dit euh, il ne faut pas aller à droite, il faut, il faut aller à droite. Là où vous, on vous dit euh, aller à droite, il faut aller à gauche. Enfin, ils inversent tout pour, pour nous perdre. Là, ils vous disent voilà quelqu'un d'honnête. Bon, bah, c'est un agent système et c'est quelqu'un de malhonnête. Là, vous le voyez aujourd'hui, tous les jours, avec les gilets jaunes médiatisés, les faux prophètes, que plus eux, ils les mettent en avant et, et ils essaient de les affubler d'honnêteté, de, de d'intégrité, et plus on se rend, vous vous rendez compte que c'est les pires des. Des, des manipulateurs, des menteurs, qu'ils ont vendu leur âme au diable. Voilà, inverser toujours. Et plus ils vont salir certaines personnes en vous disant que euh, c'est le diable en personne et qu'il ne faut surtout pas euh, lui donner la parole. Et plus intéressez-vous à cette personne, vous verrez que c'est l'inverse, que c'est un dissident qui a tout plaqué euh, pour justement vous aider à... À, à, à vous éveiller et à commencer à vous élever euh, spirituellement donc voilà il complique la chose en inversant euh, là je vois que ma, ma connexion ne tient pas mais ce n'est pas grave euh, comme vous savez je j'enregistre et je mettrai donc euh, sans bug <laughs> justement sans bug le ce live euh, comme vous le savez comme d'habitude sûrement YouTube euh, dès que j'aurai fini ce live. Donc euh, on va regarder euh, qu'est-ce que il diffuse encore. Donc voilà le chiffre que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ce qu'il met à l'écran. Allez, je vais mettre ça à l'écran comme ça moi je m'occupe un peu de ma connexion. Je vais regarder ça. alors là ça a l'air de bon elle s'est arrêtée euh, mon live s'est arrêté sur facebook mais c'est pas grave on va continuer quand même tant pis euh, alors vous voyez vous avez vu le panneau euh, ric enfin je vais pas revenir en arrière toujours les mêmes thèmes Toujours vous pousser à la grève générale, au RIC, et à la destitution Macron et à tous ces pièges. D'ailleurs, euh, je remarque que bizarrement, est-ce que vous avez remarqué que euh, malgré que le système, les syndicats, les gilets jaunes médiatisés, tout le monde pousse en permanence et qui donne tout le temps des rendez-vous pour des grèves euh, générales, totales, etc., qu'à chaque fois, c'est. À chaque fois, ça fait flop. C'est un flop total. Euh, ils ont absolument personne qui les suit. Euh, Avez-vous remarqué que jamais, jamais les merdiens n'en profitent pour se moquer de nous en disant Oh, regardez, ça n'a pas été suivi, les gilets jaunes, ils n'ont pas fait la, la grève générale. Avez-vous remarqué cette nuance Eh ben, ça vous ça devrait vous, vous, vous parler par rapport au fait que ils, ils n'en louent pas, pas une pour essayer de décrédibiliser de se moquer des gilets jaunes en disant regardez ils sont encore descendus manifester les samedis et regardez que c'est des casseurs euh, ils respectent rien c'est des antisémites c'est enfin on a entendu tous les qualificatifs euh, péjoratifs Donc voilà là encore une fois une comédie il se passe absolument rien sur leur panneau. Euh, soutien aux blessés, ok, super, mais tu peux pas euh, dénoncer quelque chose de, 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 je dire, de nouveau ou de... de tabou qui passe jamais, qui passe jamais dans les merdias Bah tout simplement parce que ça, c'est orchestré. Hein. C'est orchestré. Là on vous en met plein la vue, mais on... Vous ne pouvez pas voir derrière jusqu'où ça va. Les drapeaux, bien entendu, ça a toujours... Là, vous voyez la caméra, euh, il a toujours la bougeotte. Il a toujours pas eu la, la bonne idée d'ouvrir un trépied et de fixer son objectif. Vu que là, il est obsédé donc par la statue, euh, pourquoi depuis tout à l'heure, il n'a pas reposé ses mains et ses bras et n'a pas fixé son objectif D'ailleurs, voilà, là, il se calme un peu. Ah non, 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 ça y est, la bougeotte reprend. La bougeotte reprend. Euh, voilà, non, là, ça y est, là, il s'énerve. Il s'énerve. Et il se dit que... Il est temps de faire deux, trois pas. Euh, je voulais revenir... Si on peut, voilà... Voilà, regardez. 1, 2, 3, 4, 4 drapeaux. Ben oui, parce qu'il n'y en a jamais assez. Là, on dirait que c'est les fantassins. Euh, euh, il manque juste l'orchestre. On dirait... Du grand... du grand... Tiens, voilà. Regardez, j'ai un beau drapeau. Et j'en suis très très fier. Et je l'agite. Regardez les jeunes. Les jeunes fiers du drapeau. Qui l'agite. On a gagné encore une fois la coupe du monde. Voilà, moi j'ai un drapeau, moi. Je suis content. Voilà, donc moi aussi j'ai un drapeau. Et moi je l'ai autour du, autour du cou. Voilà. On a gagné encore une coupe. Euh... Là ce soir je n'ai pas... Euh, assez d'énergie donc pour vous montrer certaines choses je voulais commenter euh, l'appel euh, à la donc l'appel à la à la casse l'appel à la confrontation de vous le connaissez maintenant euh, je l'ai déjà analysé dans une vidéo ce, ce, ce richissime euh, monsieur valette avec euh... Les montres, là c'est mon chien qui fait du grabuche derrière. Avec les montres valettes et, euh, et toutes ces, euh, ces orchestrations en vidéo. Alors, regardez les drapeaux et on agite bien ça. Voilà, oui, allez. Alors, le tout le monde n'est pas au courant hein, parce que là il suffit que vous soyez là-dedans. Quand vous, quand vous donne, vous êtes vous soyez. Un jeune, vous n'avez conscience, euh, vous pas euh, connaissance et conscience de tout ce que euh, tout ce qui se passe, ni euh, des méthodes de la République pour que vous commenciez à agiter votre drapeau fièrement. Et regardez, vous savez lire. Rique, il faut pour avoir de la justice, les merdières, etc. Et ils vous disent qu'il faut le RIC. Et il faut pas autre chose. Il ne faut pas parler de franc-maçonnerie. Il ne faut pas parler de pédocriminalité. Euh, non, non, non. Il ne faut pas arrêter les guerres. Surtout pas parler des guerres dans les merdias. Que je ne vois pas un seul gilet jaune euh, parler des guerres. Ça, c'est interdit, les amis. C'est interdit. Par contre, euh, vous pouvez parler de. de, de, de du, du pire des complots du sujet le plus tabou au monde c'est à dire le RIC ça alors là euh, vous serez euh, adoubé comme étant quelqu'un d'extrêmement vaillant bon c'était de l'ironie les amis hein, vous l'aurez compris euh, alors qu'est ce que euh, alors je vous mets juste alors on va pas traiter donc la vidéo de, euh, Thierry Paul Thierry Paul Valette. On va plutôt euh, je vais vous montrer juste cet article de journal et euh, ensuite je vous salue, on s'arrête là comme ça je peux me reposer. Ça fait pas des une vidéo très très longue. Regardez. Voilà, on essaye encore de, de faire contrefeu euh, ce qu'il n'y a pas qui, qui se pose la question faut-il que faut-il laisser une candidate La République En Marche euh, voilée euh, se présenter aux élections euh, donc européennes euh Marlène ce y a pas, elle sait pas, elle veut juste là euh, réfléchir, mais devant nous, euh, elle ne veut pas y réfléchir euh, dans sa loge ou dans son bureau, peu importe. Non, elle veut y réfléchir en allant dans les médias, euh, en parler. Voilà. Il lui faut à chaque fois euh, une caméra pour réfléchir. Et c'est pas trop. Donc voilà, ça c'est encore un contre-feu, hein, les amis. C'est encore un contre-feu. Euh, Benalla, ils ont tiré le filon euh, jusqu'à l'os. Euh, Merdiapart ne sait plus euh, quoi euh, inventer. Et puis là, bon bah alors là je je, je, je... Je sais que le moustachu il peut faire une super une super tribune sur, sur ces, ce questionnement, ce questionnement de, de cette éminente philosophe doctorante et euh, expérimentée scientifique, j'ai nommé Marlène Schiappa. Alors, combien ça dure Tiens, on va, on va l'écouter, <coughs> si ce n'est pas trop long. Etc. Alors, la députée Anne-Christine Lang euh, ne veut pas de candidate. La République en marche voilée aux municipales. Et vous, que ce soit euh, aux municipales ou aux européennes, l'accepteriez-vous moi, je pense que c'est pas un sujet. D'abord, il y a des instances dans le mouvement. C'est pas à moi, Marlène Schiappa, de décider. Euh, Vous n'avez pas d'avis, pas d'opinion là-dessus. Moi, je crois que c'est pas utile de crisper inutilement sur de tels sujets. Je pense pas que la question se pose à ma connaissance. Si d'aventure la question se posait, s'il y avait une bonne candidature euh, d'une femme voilée, je pense que ça devrait être étudié au cas par cas. Mais actuellement, il n'y a rien légalement qui empêche une femme qui porte un voile de se présenter à des élections. Donc c'est euh, vous vous l'avez constaté, vous l'aurez compris que c'est du vide. Alors elle dit euh, rien n'empêche, mais il faut voir au cas par cas et il euh, faut attendre que ça c'est du, du, du vide et là ils vont vous verrez que ce cas là il va faire les choux gras des merdias et des politiques pendant plusieurs 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 jours voire plusieurs semaines. Alors là, c'est connu. Alors Dada, c'est cette histoire de voiler pas voilée. Est-ce qu'une femme voilée peut se baigner euh, à la plage Est-ce que, est-ce que, est-ce que, est-ce qu'une femme voilée peut garder des enfants dans une maternité, euh, aussi euh, une crèche Voilà. Ça, c'est, euh, c'est les sujets, euh, on va dire, de recherche et d'études scientifiques permanent de la république maçonnique qui ne respecte absolument pas la laïcité. Donc les amis, là donc euh, je viens de voir, vous l'avez vu euh, sur YouTube, ça a fait deux vidéos, ça a été euh, ça a été coupé, ça a été relancé par mon système. Euh, donc voilà, je vous propose que l'on s'arrête là je vais vous saluer et on se retrouve donc comme d'habitude demain soir avec euh, grand plaisir demain donc à surveiller qu'est ce qu'ils nous ont encore préparé et euh, alors j'espère me tromper hein, j'espère me tromper sur demain euh, auquel cas ils le feront dans la semaine en tout cas il leur faut quelque chose pour, euh, euh, on va dire, pour feuilletonner jusqu'à samedi et pour décourager, euh, nous décourager de descendre avec le gilet jaune. Euh, donc, ça sera dans la semaine, si c'est pas demain. et si ce n'est pas demain ni dans la semaine, c'est que encore une fois euh, ils s'adapte ou que je me suis trempé et dans les deux cas, vaut mieux ça. Euh... <laughs> Olivier, euh, Anna, Anna Cille, tu dis euh, oui c'est du vide, comme j'ai dit tout à l'heure par, par rapport à Marlène pas. tu dis oui c'est du vide comme son cerveau. Euh, Tony Light, tu confirmes, tu dis c'est toujours les faux sujets polémiques pour nous endormir. Ça fait du bien euh, de parler entre personnes éveillées. Et se rendre compte qu'on est, euh, qu est quand même euh, un certain nombre de personnes, même si nous restons une infime minorité par rapport à la masse conditionnée et endormie. Mais euh, ça donne toujours de l'espoir. Euh, Marc. Marc de la Rubia. Alors je n'ai pas compris le sens de ton commentaire. Le fonctionnaire exerce ses fonctions dans le respect du principe de laïcité. À ce titre, il s'abstient notamment de manifester dans l'exercice de ses fonctions ses opinions religieuses. Je n'ai pas compris le sens de ton commentaire, mais euh, ce n'est pas toujours valable ce que tu dis. Par exemple, euh, un enseignant peut manifester euh, un cheminot peut manifester un agent euh, municipal peut manifester donc euh, ce que tu dis ce n'est pas valable tu dis tu lances un sujet mais tu n'as pas argumenté le voile n'est pas autorisé dans la fonction publique bah ben là euh, elle va pas exercer une fonction publique être candidat euh, aux élections européennes ne fait pas de toi ou d'elle de facto un fonctionnaire d'État. C'est un statut. Hein. Un fonctionnaire d'État, c'est un statut. Donc euh, il ne faut pas tout mélanger. Et je rappelle que voile n'est pas euh, borca. Ce n'est pas la même chose. Bon, bref. Euh, Asya Marie, bonne soirée. Allez, je regarde sur Facebook. Hop. Donc, Olivier Anaël, euh, bonne soirée. Absolument, Asya Marie, ils nous prennent pour des imbéciles, c'est politiques Et nous, nous arrivons quand même à leur montrer que. Ils arrivent pas à nous mener tous par le bout du nez et à la baguette, euh, donc voilà. Vu que ça a été coupé, donc j'ai perdu beaucoup de commentaires. Euh, donc, je vous souhaite à toutes et à tous euh, une agréable soirée et une très bonne nuit. Euh, donc on se retrouve demain soir et, euh, et on débriefe donc la journée de demain. Et si donc l'événement spectaculaire est assez spectaculaire qu'il se déroule dans la journée, eh, il va de soi que je vous donnerai des informations et peut-être même que je ferai un live. Voilà. Marc. Tu as ouvert un sacré débat, hein. juste au moment où je souhaitais euh, quitter. Donc tu dis manifester ses opinions publiques. Donc pour toi, euh, un fonctionnaire n'a pas le droit de manifester euh, ses opinions publiques. Je ne sais pas. Moi, je, je te dis que ce n'est pas toujours valable. Un agent municipal est un fonctionnaire. Et euh, il a le droit de manifester euh, ses opinions euh, publiques euh, à partir du moment où il est en train, par exemple, de jardiner. Et euh, bon, bah, s'il est euh, accosté euh, par, euh, on va dire, un citoyen, euh, il, il ne lui est pas interdit, il ne sera pas euh, révoqué. D'ailleurs, tiens, ça me fait penser à Farida Belgoul donc en revenant à il ne sera pas révoqué parce que il aura dit qu'il était contre ou pour par exemple les gilets jaunes hein, être contre ou pour les gilets jaunes c'est quand même une opinion euh, politique il ne sera pas euh, révoqué parce que il aura dit qu'il est qu'il cro qu croit ou pas que dieu existe ou ou s'il il aurait dit qu'il aime bien aller à la messe. Ce n'est pas toujours valable ce que tu dis. En tout cas, tu es en train peut-être de répéter ce que eux ils répètent, enfin de ce que eux ils disent, à savoir que euh, vous devez vous interdire tout signe religieux dans les institutions et en tant que fonctionnaire, ce qui n'est pas la même chose. Et euh, sachez que dans les pays anglo-saxons, vous pouvez très bien euh, acheter euh, votre ticket de métro à un guichetier qui porte un turban ou une femme en voile ou avec une grosse croix ou, ou avec une kippa. Euh, en France, il y a beaucoup de comment dire, il y a beaucoup d'exagération, de, et en plus il y a une loi qui est passée par là, mais il y a une différence entre les opinions religieuses et les, six, les signes, comme ils appellent eux, hein, moi je ne suis pas d'accord avec eux, les signes ostentatoires. Euh, D'ailleurs, il serait bon de rappeler et de dire, parce que les médias ne le disent pas, que euh, la laïcité ne se limite pas à la séparation entre l'Église et l'État, à la séparation entre la mosquée et l'État, à la séparation entre la synagogue et l'État, mais euh, ça englobe aussi, et euh, c'est tout à fait euh, nécessaire, la séparation entre les loges maçonnique et l'État. Euh, allez on va, on va pas je t'ai assez répandu euh, on va pas ouvrir un, un coup de ping-pong comme ça de commentaires je t'ai assez répandu si mes réponses ne te conviennent pas eh bien je m'arrêterai malgré tout ici euh, voilà joe Ain sur youtube Tu dis, ce qui est certain, c'est que le pipeau a du succès au Mont Olympe. Eh bien, bonsoir et et nous sommes d'accord. Euh, je je comprends l'image que tu utilises et donc tu nous rejoins tous dans ce que nous disons par rapport à leur euh, comédie permanente. Euh, Diloulou, euh, bonne soirée, merci. Euh, je tâcherai de me reposer. Euh, je tâcherai, même si c'est pas évident. Tony Light, bonne soirée, frérot. Assia, bonne soirée. Il y a un droit de réserve, mais pas pour tous. Tony, on va pas y passer la nuit. Il y a un droit de réserve pour les, les forces de l'ordre et, euh, et les militaires. Pas, et certaines autres catégories, pas pour tous. Euh, Poupette Rose, euh, allez, j'arrête de vous lire, je, juste je vous souhaite bonne nuit, euh, parce qu'à chaque fois vous m'envoyez sur des sujets. Poupette Rose, bonsoir et bonne nuit, et Marc euh, bien bonne nuit et bonne soirée. Et euh, toutes les autres et tous les autres que je n'aurais pas salué, euh, je vous salue, et toutes les personnes qui regarderont ce live en différé sur tous mes autres réseaux. Voilà, je vous souhaite une bonne journée si vous regardez ça dimanche euh, ou à un autre moment. Euh, et je vous rappelle que là, ça a bugué tout à l'heure, ça a coupé. Mais euh, que la vidéo que j'uploaderai à la fin de ce live sur YouTube, euh, elle sera complète parce que euh, ce sera de l'enregistrer. Allez Bonne soirée.